C'est que t'attends pour y aller. Ils me prendront quand j'arriverai. Rien que ça à faire, nous autres, tu pognais le cul à t'attendre. Puis le cash que tu vas faire sur mon dos, me semble que tu pourrais être poli. Pardon? J'ai-tu bien entendu, moi, là? C'est correct, je crois que t'as pas. Suis-moi. Là, j'aurais pu le faire pousser ici sans rien te demander, ma tabarnak. Mais compte-toi bien chanceuse que je te l'aide ta dette. Moi, je trouve que tes plans sont rendus trop hauts. Fait que le mature, pas mature, moi, je m'en sac. Allez, Nail, là, je m'en coupe bien vite. Mais d'ici ce temps-là, il va falloir que je sois ici 24 heures sur 24 pour checker. Tu prends la peine de m'en parler? Tu te gênes pas, d'habitude? Organise-toi donc pour y trouver une place pour dormir. Il dormira dans la porcherie. Je suis pas un cochon. OK, il ira dans la cave, mais il laisse ma soeur tranquille. Hey! Donne pas d'ordre à personne. Tu claques. C'est qu'ils s'en vont, tes agrès. T'as eu des téléphones? Quand c'est qu'ils vont te sacrer patience, là? Hein, ils t'exploitent puis ils te laissent faire. Pis toi, c'est quand la dernière fois que t'as été payé pour t'occuper du fan club de ton rappeur? Ah, pis bois pas de même, là. Moi, je bois là-dedans après ça. Y'a un gars de la banque qui a appelé. Il me veut? Je sais pas. Il est censé passer cet après-midi.
On va prendre une douche. Puis, je m'en fous de pas être payé, hein? Moi, je rends du monde heureux, moi! Regarde, les hélicoptères de la SQ vont avoir spoté ce que tes bandits font pousser sur notre terre! On va être dans la swill! Oui, je vous l'ai déjà dit, c'est quand même pas de notre faute. Si on est tombé, c'est des crosseurs de contracteurs, c'est bon! Ah ouais. Est-ce que c'est les mêmes crosseurs, comme vous dites, qui vous avaient empêché d'acheter les 100 nouvelles têtes de bétail qui devaient améliorer votre génétique de troupeau de l'année passée, ça? OK, OK. OK, j'ai investi dans un projet expérimental, mais on a eu des gros problèmes. Mais là, c'est sur le point d'aboutir. Non, 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 non. Vos histoires, on les connaît. Votre dernier chèque d'hypothèque devait rentrer il y a 6 mois. On n'a pas eu de nouvelles. On vous avait donné un délai jusqu'à fin juillet, puis vous l'avez encore fait faux bon, là. Vous allez l'avoir vendredi, votre chèque. Calmez-vous. Ne prenez-vous pour un imbécile, là. C'est fini, Mme Rousseau. Hein? Vous pouvez vous fâcher tant que vous voudrez. Là. 617 000 $ plus le montant des comptes en souffrance, plus le montant de la marge. Ils ne sont pas payés vendredi matin. On va être obligé de demander à votre sœur de nous ouvrir vos classeurs. Non. Les dernières volontés de mon père, vous en faites quoi? Ma sœur n'a rien à voir là-dedans, OK? Quand votre père est mort, votre sœur était mineure. Et c'est plus le cas. Bonjour, Mme Rousseau. Hey! Fais-tu dire à rien d'où je voudrais voir demain? Ah ouais? T'as une minute. C'est quoi, là? Excuse-moi, mais. Y'a ton ex qui veut te voir. Excuse-moi, ma question, là. Salut! Et quand t'auras fini avec. Ta sœur a de bien s'en douter. T'es pas folle. Mais non. D'un autre côté. Moi, Roger m'a trompé avec ma sœur pendant 3 ans. Rien vu. Il disait qu'il bandait plus parce que j'avais grossi du cul. Ma sœur. Tu devrais voir le cul de ma sœur. Il bandait plus mon œil. J'espère que t'as pas été au garage. Come on, Mac. Juste un dernier petit 10 piastres. Tu te refais pas avec 10 piastres. Si je me tape une straight flush, je suis correct pour rentrer au casino avant 3 heures. Come on! Je suis dans le bout. Mais... Ta sœur est pas malade, toujours? Oh non, tout va bien. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ah, peut-être qu'elle aimerait ça prendre un café? Une bière serait cool. Une bière.
Beth m'a dit que vous aviez reçu les meubles. Les meubles? Ben, je veux dire le bébé. Oui, c'est vrai. Ils sont en haut. Est-ce que tu veux les voir? Ben, je t'en prie, je t'en prie. Écoute, si j'étais riche, il n'y aurait pas de problème. Hein? Mais là, moi, je suis pas millionnaire. OK, oublie l'avance de 10 000. Je sais pas, moi, 5 000? 5 000? Non, non, non. Je suis désolée, mais c'était pas ça le contrat. Hein? Tu sais bien. Adrien, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, Caroline, rien. Adrien, s'il est arrivé quelque chose à Betty, j'aimerais ça le savoir. Carole, laisse ça entre mes mains, d'accord? C'est pas Betty le problème. C'est l'argent. Ça leur prend encore une autre avance. Mais Betty, elle a quand même porté notre enfant pendant presque 9 mois. Oui, puis elle voulait mettre une avance sur une des cages qu'on va faire naître des états quand la porcherie va être rénovée. Une cage. Là, là, Stéphane, vous allez vous parler. Hein? Ta sœur vient de nous emprunter 3 000 $ pour une cage. En plus, on vous a donné une balayeuse, une laveuse sécheuse. Il me semble qu'on a été extrêmement correct. Adrien, arrête. Tu sais qu'on n'aime pas ça, la chicane. Carole, c'est pas de la chicane. C'est une mise au point. Oh non, excusez, là, mais pour la cage, j'étais pas au courant. Non, c'est juste que je trouvais que Beth avait le caca-bot depuis quelque temps. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait de quoi s'occuper après l'accouchement. Avec cet argent-là, j'aurais pu prendre de l'avance et rénovation. Hein. On voudrait pas qu'elle nous pète un postpartum personne. Hein. J'espère qu'elle a pas des regrets. Hé, hey, là, là, un instant. Mettre quelque chose au clair, là, tout de suite. En Russie, pour l'adoption, on s'est fait manipuler. Carole en a fait une dépression nerveuse. J'ai vraiment pas envie que ça se reproduise. Alors, si ta sœur est déprimée, on va aller la visiter. Ah, oh, non. Oh, non, ça va bien, là. On oublie ça. Je voulais juste faire une petite surprise, mais si elle l'a commandé sa carte, tant mieux. On n'en fait plus. Ouais. Chin. Là, le Christ est placé, fait qu'en ligne, toi, si tu l'as pas, là, on va jouer devant. Ah ouais. En ligne, cool. Quelle ta main. Ah ouais. T'as pas de niaiserie. Si y en emprunte encore, tu vas le regretter. All right. Hey! C'est bon. Oui, ça me dérange pas, mais si tu veux jouer avec moi, il va falloir que tu sois bien, bien fin. Ça a l'air que les hélicoptères de la SQ ont spoté ton champ de popcorn il y a une couple de semaines. Ouais, fais de l'air, là. Fais de l'air! Il y a bien des plants de potes qui ont été coupés dans le rang giguère en arrière de la montagne, mais moi, j'ai rien à voir avec ça. Même si je le savais pas, moi, que le gros giguère, c'était ton nom. Bien du monde qui aurait pu planter sur sa terre. C'est sûr, il est Alzheimer. Pourquoi celui qui a planté son pote-là, il va avoir de la misère à remplir ses commandes cette année, hein? Oh! Si ça avait été toi, j'aurais pu avoir un dé pour toi. Minute, j'ai pas dit que tu pouvais partir. Je te disais que j'ai 250 plants de potes quelque part dans le Canada. Tu sais, c'est bien grand, le Canada. Je ferais ça au prix de gros. Je sais ce que ça vaut. Je t'ai assez vu aller. C'est toi qui les as plantés. Mettons que t'aurais personne dans les jambes quand viendrait le temps de le ramasser. Ça serait ma job à moi. Ça le trouble, toi. Hein? Tu penses pas que c'est pas beau, ça, hein? Allez, avec ça, là, y a plus une truie qui va venir faire sa loi ici. Les petits vont être protégés. Ah, c'est pas tout. Une fois que ta truie a cochonné, t'as plus à te badrer des souillures, là. Parce que tout passe direct à travers ton plancher. Tout! Même le placenta. Puis, la barre de métal ici, là, ça, là, c'est le numéro 1. Oui, parce que la truie, elle peut pas aller plus loin. Il n'y a pas de danger qu'elle écrase ses petits. Hein? Elle est bloquée net. Hey, les petits ont de l'espace, puis les tétines sont à découvert. Maudit, c'est bien fait!
Ouais. Ben, il en rentre 12. Ben, il va falloir faire du ménage. 12? T'as payé ça combien? 3 500, c'était son top. Il m'y a fait à 3 000. 3 000 piastres la cage? Ouais, déjà, à 3 002, j'ai mis tes deux gars sur le grill. Ah, ben, check bien la production qu'on va avoir l'année prochaine. Je trouve que c'est bien du cash. Mais ça fait 9 mois que je le gagne, mon cash. Hey, on voulait une pouponnière, on l'a! Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? Non, non. Je suis juste bien fatiguée. Allô? C'est rien d'autre. J'ai parlé à mes gars, là. Une minute. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi, de ton boîte, là, on est prête. Organise-toi pour coucher ailleurs, là. Toi, t'as rien vu, puis tu sais rien, OK? Passe-moi voir au garage demain matin, m'envoie le cash. Répéter mot à mot ce que tu m'as dit tout à l'heure. Hein? Je suis pas sûr d'avoir bien compris, là. La sœur Brousseau m'a collé sur ma patriote. Je suis rentré dans 2 minutes pour la rappeler. OK. Elle pensait qu'elle avait laissé le poêle allumé. OK. Puis t'es sorti tout de suite après. Hein? T'as pas piqué ça, me regarder la TV, manger un sac de chips, quelque chose, rien, là? Non. Puis tu penses que je vais avaler ça? Hein? Tu rentres dans la maison 2 minutes. Puis comme par hasard, c'est pendant ces deux calices de maudite astie de minutes-là que je me suis fait voler pour 250 000 piastres de stock. Va chier, mon astie tête de nœud! Va chier, là. Quand je suis sorti de la maison, ils m'ont knocké par en arrière, j'ai rien vu. Quoi, ça? Quand je me suis réveillé, il y avait 3 trucks qui s'en allaient. Le seul que j'ai vu comme du monde, c'était un pick-up comme... genre or. Oh. Trouvez ça au bout du chemin. Une job à faire avec les gars du garage. Pas l'habitude de perdre mon temps à ramasser des capes de roue sur la route, mais là, c'est arrivé dans notre face ici. Quand le gars du dépanneur nous a dit que c'était à toi, le pick-up-or, on s'est dit que, au prix que ça coûte, ton cap, tu serais content de l'avoir. Vous mettez quel bout? Moi, Montréal, puis lui, bien d'où, toi? C'est beau. Tu dis que ton frère avait une job à faire avec les gars du garage. Quel garage, là? Puis donc, chose, travailles-tu pour la police, je vais aller réserver deux chambres à l'hôtel. Pendant ce temps-là, trouve-moi une blonde. Parler de quoi? Hey! Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon argent! Hey, tabarnak, touche pas ça!
Là, il y a deux moraux qui me courent après depuis hier soir. Puis la rumeur, c'est qu'ils se sont fait voler le champ de patates. J'ai-tu besoin de te faire un dessin? Moi, je pensais que c'était des lustres entre toi puis moi. Donne-moi mon cash! Hey, tabarnak, que tu me touches pas! Là, tu me donnes le nom de ces deux gars-là, sinon je te paye pas. Puis tu vas être crissement dans la merde. Attends-moi ici. Ton asti de moron, il vient de me lancer une chaise par la tête. Fait que si t'essayes de quoi, moi, je tire. Ok, relax, là. Fuck, y'a rien d'autre, y'a pas, il sort pour toi, asti. Ok, on fait juste se calmer, ok? Dame ta gueule, fait grippe. Allez, Gabin, tu vas me dire où t'as caché mon pote, hein? Je sais même pas de quoi tu parles, asti. Ah! Rien d'autre, y'a pas! Je lui ai dit que c'était une chose! Mais ta gueule, tabarnak! Il sait pas ce que je dis, là! Donne-moi l'argent! Comment l'argent? Quel argent? T'as vendu mon pote, mon asti? Hein? La valise! Check la valise! C'est tabarnak, faut que tu touches pas à ça! Si je vous tire, moi, là! Mais viens pas! Dis-y, t'es la fille, tabarnak! Dis-y, j'ai une belle... Là, essaye de savoir où c'est qu'elle est. Hein? La calice. Ça marche pas. Ben, c'est ça, d'asti. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Asti, une moron à deux vitesses. J'avais dit. Pas de carnage, hein? Pas dur à comprendre, ça? Je suis en probation! Il me trouve, il me rentre en dedans. Oh, puis arrête de me regarder de même! Ah, Betty, moi, je pensais justement à toi. Puis ça s'en vient-tu? Ben, c'est un peu pour ça que j'appelle, là. J'ai eu des contractions. Je pense que vous êtes mieux de vous en venir. Carole? Carole, t'es-tu là? C'est Adrien. Carole, t'es pas parlé, OK? Tu comprends ça? Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, là. Ouais, ça va être beau quand je vais accoucher. Est-ce que tu veux que j'appelle ta... sage-femme. Ta sage-femme? Non, 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 non. Je vais l'appeler, là. Venez-vous-en. Ouais. Euh...
crise de sœur. Hein? Sans les cubes de purée? Mais non, Minou. Les cubes de purée, ça sera pas avant 10-12 semaines. Mais alors, pourquoi on amène la glacière, là? Ben, pour apporter le rôti de bœuf. On doit s'occuper de la cuisine, là-bas. On se l'a répété 100 fois. C'est vrai. Oui. Calme-toi, là. Hein? On n'est pas en retard. Je pense que je vais appeler au travail, hein? Là. Attends, attends. Quoi? Ben, avant, j'aurais aimé ça te poser une dernière fois la question. Carole. Après, j'en parlerai plus jamais, c'est promis. Bon. J'étais pas dans la chambre à coucher quand mon bébé y a été conçu. C'était Betty. Vous l'avez fait ensemble, tous les deux. Je t'ai offert de regarder Carole. C'est toi qui n'as pas voulu. Oui, mais peut-être que dans ta tête, c'est elle qui va devenir la vraie mère. Avec qui je vais l'élever, cet enfant-là? Hmm? Qui est-ce qui va être là quand je vais prendre les photos à Noël, près du sapin, quand je vais filmer au bord de la mer, les vacances avec notre bébé? Hein? C'est fini, les petites crises existentielles? Dans mon cœur, Carole. Tu seras toujours la mère de notre enfant. Mmh. Tout le reste, là, c'est de la rhétorique. Mmh. Très bien. Je sais pas c'est quoi vos plans, là. Mais moi, je veux pas vous avoir ici pendant que je vais accoucher. Moi, je vais m'en aller. Toi, tu vas t'en aller quand je vais te le dire. Elle va me le donner, mon cash, ta crise de sœur. Salut, c'est Betty. C'est quoi ça? C'est ma sage-femme, là. Elle appelle à tous les jours, c'est son heure. Allez, c'est Betty. Allez, c'est Betty. Quoi? Les lignes sont à côté, on devrait sacrer notre camp. Hey, le caniche. M'as-tu vu l'allure? Hein? Vu une sorte à côté. On va régler le problème de sa sœur, puis après on verra. Hein? Est-ce-t-il... Qu'est-ce qu'il fait qu'il arrive pas, lui? Qui ça, lui? Qui ça, lui? Qui ça, lui? Te parles-tu, toi? Hein? Non, je te parle pas! Hey, puis toi, arrête de me regarder comme un esti de bledingue, puis va chercher mon carnet d'adresse dans le coffre à gants. Où? Ah! Ta soeur a pas l'impression d'arriver. Et tu en veux pourquoi au juste? Ça, c'est entre moi et elle. Attends, attention, ça tire, Doc! Chris! Pourquoi tu sens? Mais. C'est rien, c'est rien. C'est réparé. Hey, chose! Sais-tu comment mon wonton est arrivé ici? Moi? Pas bon, ton. Moi, chinois. Ah, chinois. Ouais. Dans un conteneur de vaisselle, c'ti. Il était douze comme lui, c'est ça qui s'en est sorti. Hein? Deux individus ont sauvagement été abattus ce matin au bien connu garage de Johnny Rieto. La police cherche à identifier le propriétaire d'un véhicule Ford LTD brun qui aurait été vu sur les lieux du crime. Cette personne pourrait être un témoin important dans l'affaire. L'identité des victimes n'a pas encore été dévoilée. Nous espérons avoir plus de détails dans les heures qui viennent.
Hey, j'écoutais la radio, moi. Où c'est que tu penses que tu vas, ma puce? Va donc me chercher une chemise, la mienne est finie. Oui, va donc mettre le char en arrière, en quelque part, là, au lieu de te pogner à la poche. Comment je te dois, le grand? Pas encore. Ils sont donné le mot aujourd'hui. Oui? Voulez-vous me montrer vos papiers, Jopé? Parole. Je peux bien vous les montrer, là, mais on vient juste de se les faire demander au bout du rang. Voulez-vous vous ranger sur le côté? Oui. Tout de suite. Tu veux comment qu'il vienne me regarder? Un noir en plus. Tu veux-tu des amandes au tamari fermées dans mon sac? Carole, c'est pas de l'hypoglycémie. J'ai-tu le droit de les haïr, là, ici, dans mon char? On est tout seul. Non, regarde-les. Grosse chaîne en or, grosse montre en or. C'est né pour couper de la canne à sucre, puis ça vient m'écœurer dans mon pays avec son petit uniforme, son gros gun. Après ça, les démocrates à la marde vont nous dire que c'est ça qui fait avancer l'économie. Nietzsche avait vraiment raison. Depuis que le monde est monde, c'est les plus faibles qui empêchent l'épanouissement des plus forts. Chum Rindo m'a dit que tu leur as fait un deal avec mon stock. Oui, bullshit pas. Parce qu'ils ont tué deux gars au village puis ils sont sur le gros nerf, là. Toi, reste tranquille. Sais-tu combien je devais faire de cash avec ça, moi, hein? Le sais-tu le montant que tu m'as fait perdre? Rindo, il a menti, mon chum. Je les ai jamais parlé de ton pote, jamais. Ils t'ont payé, ma tabarnak! Tu m'as sorti de la marde de 25 000 piastres en t'installant chez nous. Pourquoi je t'aurais fait ça? Rien d'où, c'est le pire des crosseurs! Va chier, je partirai pas du site tant que tu m'auras pas payé. Ils t'ont donné une cote, tu vas me la donner! Je te jure, Paquette, je t'ai jamais crossé, je te jure! Il y a personne qui pouvait savoir qu'il y avait du pot du site à part toi! Ils me l'ont dit que c'était toi! Mais c'est sûr qu'ils t'ont dit que c'était moi, c'est pas difficile, Chris, mon nom est écrit sur la porcherie! La SQ, qu'est-ce que t'en fais? La SQ, il avait pas spoté tes plans, tu penses? C'est quoi le rapport avec Rindo, ça? Ben, Rindo. Rindo, il connaissait tous les gars de la SQ. Ben, dis-y, toi. Ben. Tu connais la rumeur qui circulait dans le village l'été passé? La SQ spotait les plans d'hélicoptère, Rindo est coupé, puis se splitait les profits. Fait que... Un gros spot vert dans un champ de bédaine jaune, c'est pas bien ben compliqué. Je te l'avais dit, hein, qu'il était spoté! Je le savais que ça finirait comme ça! C'est Rindo qui s'est crossé, puis à ce temps, c'est toi qui paye! C'est pas ça. Non. Relâche. Ils sont pas dangereux. Oh, mon Dieu! Débarrasse-toi-en. Pis vite. Allô, allô, allô! Allô, allô! Ouais, y a du monde à la messe? Oh, j'étais ici. Donc, avez-vous un problème avec la porte? Oh, qu'est-ce que tu fais debout, toi? T'es pas couché? Oh, ben, je t'ouvre 20 minutes, hein? Fait que. Ben, couché, ça me fait beaucoup plus mal. Carole, Adrien?
J'aimerais ça vous présenter un de mes cousins. Avec... Un de ses employés. Oh, il s'en allait. S'en aller... Enchanté. Hein? Moi, c'est Adrien Massé. Hein? Ça me fait plaisir. Ma femme, Carole. Enchanté. Vous venez pour... Oh, ça serait trop compliqué, ça. Bien. Nous, on a beaucoup de choses dans l'auto, alors si vous pouviez nous donner un coup de main, ce serait sympathique. Hein? Tiens, Carole. Fais attention. Je m'en occupe. Excusez. Ah, t'es bien loadé. J'espère pour toi que tu t'en viens pas passer la semaine ici. J'espère, moi aussi. Hein. Mais un accouchement, on sait jamais. Hein. Il y en a qui font ça comme des chattes. Il y en a d'autres, ils viennent pas à bout. Non, cet enfant-là, ça fait assez longtemps que je l'attends. Je vais le prendre quand il va arriver. Toi, là, Lucky, le pain? Ben là... Je suis pas sûr que ta cousine aimerait ça que le monde sache comment ça s'est passé. Je trouve que c'est vraiment à elle de te le dire. Hmm? Si tu pouvais m'aider pour la glacière, ce serait gentil. Le reste, ça va attendre. La glacière? OK. La glacière. Je vais te mettre dedans, la glacière. Oh, Adrien, as-tu besoin d'aide avec non, ça? Non, je t'en prie. C'est correct, ma petite Betty? Oui, ça va, Carole, je te remercie. Prends bien soin de toi. Oui, promis. Hey, je sais pas ce qui s'est passé dans le coin. Mais vous auriez dû voir ça au village tout à l'heure, là, il y avait des policiers partout. Ouais, on s'est fait tarabuster 3 fois. 2 fois, ils ont demandé les papiers de Carole, Adrien. S'il te plaît. Oh. Hey, j'espère que j'en ai apporté assez pour tout le monde. Faites-en pas, Carole, il s'en allait. J'ai pas trop envie de faire de la route aujourd'hui, moi, hein? Puis, si tu veux que je m'occupe des cochons, faudrait que tu me donnes ta recette de moulée. Vite, on va aller faire un tour dehors, là. Non. Hey, il faut que t'ailles t'étendre, toi. Hein? Peut-être que Stéphane, elle pourrait s'occuper de ça. Non, ça va, Carole, ça va, je suis correct. Es-tu bien certaine? Oui, je suis correct. Bon, eh bien... Moi, je vais monter les choses en haut. Ouais, fais donc ça. Fait que... tantôt, hein? On s'en va en porcherie. S'occuper des cochons. Et vous en vous autres. C'est quoi le deal avec ces deux-là, là? Elle leur a fait un petit, ça fait 9 mois qu'ils l'attendent. Il n'est pas question qu'on lui mette à la porte. S'il y a quelqu'un qui vous cherche, on dira qu'on vous a jamais vu, mais vous allez saper votre camp, ça presse. Fuck you, ma tabarnak. La police me ramène ici, au lit. On va partir quand je vais décider que c'est safe, tu clair? Respire, Beth. On va s'en sortir, OK? On va s'en sortir. Ah, tabarnak. Là, écoute, mon bain. Arrange-toi ton petit couple de Châteauguay, là. Il pense que je suis ton cousin. Mais si t'essayes de me fourrer, tout le monde passe au cash, c'est-tu clair? Bon, elle a une sage-femme, il faut l'appeler tout de suite, OK? Il n'y a plus un chat qui rentre ici. Ah, quoi? Yel! C'est-tu toi qui vas l'accoucher? Hey, tu veux un docteur? Moi, t'en trouver un docteur. Hein? Ton cas, il est réglé. Toi, par exemple, là, t'as besoin de te tenir tranquille, parce que ton cas, il est loin de l'être. On va le savoir si tu m'as crossé, ma puce. On va le savoir. Oui, à la maison. Maison, calice! Toi, esti de moron, va cacher le char comme du monde, je vais le louer d'ici.
train de vous préparer une surprise. Garde ça avec toi. Je comprends pas que... qu'une sage-femme, là, puisse te faire faux bon comme ça. Elle avait l'air tellement prévoyante. Ouais, ben, fiable tant que tu voudras, faut pas prévoir que sa sœur accouchera en même temps. Hein? Ouais. Mais, ben, le médecin, lui, il arrive pas vite. Le médecin, il avait une urgence à Lennoxville. Un autre accouchement? Non. Deux balles dans le foie. Ah, c'était un généraliste? Non, c'est un Chinois. Coudon, fais-tu exprès pour être chiante de même, elle? Ben, écoute-le pas, Carole. Il y a la mèche courte. Ils sont toutes de même de ce bord-là, ta famille. Non, t'étais pas supposée t'occuper des cochons? Oui, ma tabarnak. J'ai fait des sushis. Est-ce que vous en voulez? Des quoi? Des sushis? Non. OK. Bon, je vais aller voir en haut. Peut-être qu'ils en veulent. Le poisson, c'est bon pour les faire enceintes, plus surtout. Mon Dieu, Betty. Ah, quoi? Est-ce que ça revêt pour toi une certaine valeur sentimentale, cette chose-là? De la vraie anguille. Des sushis, c'est-tu? Vous en voulez? J'ai fait des sushis. Oh, tu veux des sushis? Non. Toi, mon amour? Non, sans façon. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Bien sûr. Si on était là, j'ai des contraintes. Ça va être un petit nouvel moment à penser. On ne reste plus le temps qu'on paye la visite. Ah oui? On crisse sans deux fesses de porc pour traverser les douanes déguisées en Elvis. On est des jambes ici. Ça nous prend du cash. T'as une carte platine. Faut que la carte à ce petit moron. De la minute, je vais m'en servir. Toi et Bé, on va savoir dans quelle ville qu'on est. On est là pour l'acheter d'un coup. La soirée, ça va être trop risqué. Toi, par exemple, tu pourrais y aller. Trop risqué pour toi, mais pas trop risqué pour moi. Ben c'est moi qui cherche, c'est pas toi. Hein? Dans son pick-up, personne va t'écœurer. Peux pas. Pardon? Peux pas. Pas dans son pick-up. Hey, tabarnak, fais-moi pas pomper! Moi, je chauffe automatique. Son pick-up, pastille et manuel. J'ai jamais appris à chauffer manuel, Steve. Tabarnak. Ah oui, allez, toi. Hein? Des en bas, là. Oui, en bas. Parler à ma sœur avant de partir, OK? T'as pas un cellulaire, une culotte? Excusez, est-ce que je peux parler à ma sœur toute seule deux minutes? Oui. Oui, bien sûr. Moi, je vais aller faire le souper. Oui. Que je descende à Montréal, quelque chose. Faire quoi? Jouer le reste de la ferme au casino? Ben, tourne pas le faire d'emblée, OK? Je le sais, là, que c'est de ma faute. Là, j'essaie juste de pas faire trop de vagues, OK? Ils sont tellement sur le nerf qu'ils pourraient faire n'importe quoi. Ouais, mais je t'avertis, si son docteur arrive pas bien vite, là, moi aussi, ça se peut que je fasse n'importe quoi. Il
Faut y aller, ma puce. Oui. Entre vous qui se débrouille en électricité. C'est quoi le bug? Ben, le four fonctionne pas. Hein, je le savais pourtant. Stéphane m'a répété 100 fois, apporte tes plats à cuisiner sur le rond parce que le four fonctionne pas. Puis moi, la tête de Linotte, j'ai apporté un roast beef. Mais là, le four fonctionne pas. Je savais pourtant, ça fait 6 mois qu'il fonctionne pas. Tu me l'avais dit, Stéphane. Elle me l'avait dit. André, tu te souviens? Correct. On m'en occupe. Merci. T'as pas de quoi à faire, toi? Hein? Oui. Ouais, c'est... Là, j'ai beau tourner le bouton. Là, laisser c'est l'élément. L'élément fonctionne pas. J'essaie de... Carole! Oui? Laisse-le faire. Oui. Si le monde de même, c'est pas poli, demain, t'as jamais dit ça. Je sais pas que ça me dérange, là, mais si tu me fixes de même jusqu'à Montréal, tu vas avoir un torticolis en venant, toi. Quand t'es sorti avec ta sœur l'autre soir en ville, pourquoi tu m'as demandé de venir checker si le poêle était allumé? Vas-y. T'arrives jamais, toi, de partir de chez vous, d'arriver quelque part, puis là, de te demander si t'as pas laissé le four allumé? Ouais. Mais quand tu sais que ton poêle est brisé depuis 6 mois, il me semble que tu penses à ça. Ben, un rond allumé, ça s'oublie aussi. Là, tu pensais que t'avais laissé une tarte dans le four. Je m'en souviens parce que tu me demandais à quoi elle serait la tarte. Quand j'ai ouvert ton four, la seule tarte qu'il y avait dans la cuisine, c'était moi. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? De tout. Ah. Une sorte d'homme à tout faire, là, ou quelque chose comme ça? Je suis pas un jobber, c'est ça que vous pensez. Je travaille à mon compte. Ouais. Et puis vos parents, ils sont dans l'agriculture aussi. Pense à ta sœur. Je vais aller à l'hôpital. Mon doc m'a dit de l'appeler quand tu vas avoir des crampes aux 3 minutes. Pas avant. Peut-être là que vous savez pas vraiment ce que c'est qu'un accouchement. Ils savent pas, c'est un homme. Ils savent pas. Moi, je vais essayer de donner un coup de fil à la sage-femme, parce que peut-être que sa sœur, elle a accouché maintenant. Hé, hey, la fatigante, tu le relaxes-tu, ton pompon? Il y a plus personne qui touche au téléphone ici, c'est-tu clair? Le petit ton hargneux avec ma femme, ça fera. Votre médecin, ça fait 2h30 qu'on l'attend. Hein? Alors, si on veut appeler quelqu'un, je pense qu'on va le faire. Cousine, elle va accoucher avec mon doc, personne d'autre. Puis mon doc, je le paye à l'heure. Fait qu'il va arriver ici quand elle va avoir pété ses os. Pas avant, il se déplacera pas pour rien. OK, c'est parfait. Mais là, arrête, là, tu nous énerves, hein? Je veux qu'il reste cette sorte. Femme d'ailleurs. Suivez-moi.
Tokyo. Si tu veux faire une joke et platanastie. Qu'est-ce que t'as fait avec l'autre kilo? Que ta langue se retrouve dans mon petit pot, sera mieux de l'utiliser. Hein? Moi, je suis venu pour le 30 000 piastres. Pas pour voir ton hostie de face de charogne. Oh! Oh! OK. Si tu veux pas rester ici de congelé, take a walk on the wild side. And the colored girls say. Voyons, sac notre candidat. Nous sommes présentement au garage Rialo. Deux individus ont été retrouvés sans vie ce matin. Il s'agit du propriétaire du garage, Johnny Rialo, et d'un de ses employés. Des témoins auraient entendu plusieurs coups de feu. Les deux individus auraient été aperçus quittant les lieux dans une Ford LTD brune. Les policiers cherchent à identifier le propriétaire de ce véhicule, qui pourrait être un témoin important dans l'affaire. Plusieurs indices portent à croire que l'assassin n'aurait pas agi seul. Mais les policiers refusent de commenter cette hypothèse pour le moment. Il faudra attendre les rapports balistiques. Les motifs de ce meurtre sont encore inconnus, mais la police croit au règlement de compte relié au trafic de stupéfiants. Rappelons que Johnny Rialo a eu quelques démêlés avec la justice l'année dernière suite à une importante saisie de marijuana. Mais aucun charge n'avait été retenu contre lui, aucune preuve. Les employés du garage sont sous le choc et ceux que nous avons pu interroger affirment ne pas connaître le lien entre leur patron et le milieu criminel. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de pisser. Comme ça, il n'y avait pas juste un kilo, il y en avait deux. C'est qui le deuxième? Je sais pas. Hey! Tu pisses là. Peut-être que Paquette l'a gardé pour lui tout seul, le deuxième kilo? En tout cas, si Paquette t'a fait un coup de cochon, on va pas le laisser faire. Hein? Tu parles pas de ça à Paquette, c'est-tu clair? Pourquoi? Deuxième kilo, c'est toi qui l'as? Le deuxième kilo, t'en as jamais entendu parler, OK? Moi, ton hostie de tarte, je l'ai pas digéré encore. Je sais que t'es en dessous de ça avec rien d'eau. J'ai même trouvé ton petit dessin dans la valise.
même te dire le montant de ta cote. Fait que si tu veux pas que Paquette le sache, tu parles pas du deuxième kilo de poudre. C'est-tu clair? Oui, c'est bien, bien, bien clair. Hey. T'es un chien, hein, si? Je veux que tu manges la lampe. Tu penses que je suis rien que le petit chien de poche à Paquette, c'est ça? Je dois rien, moi, Paquette. Paquette? C'est un cas. Il te sous-estime. Prends pour un autre, Paquette. Ben, ça, on le sait. C'est que... si t'avais pas été là, là, j'aurais jamais laissé mettre les pieds sur ma terre. Je le trosse pas, moi, Paquette. C'est pour ça que faudrait peut-être qu'on y aille, parce que s'il pas une lunette, je voudrais pas qu'il fasse du mal à ma sœur. Pas ici, OK? Non, non, pas ici. Je me connais, moi, je dis. Je vais me fermer les yeux, là, puis je vais voir ma soeur poignée seule avec Paquette. Non, pas ici, OK? J'aimerais vraiment ça, là, mais... J'aimerais vraiment ça, là, mais... Pas maintenant, OK? Chien, on est bien? Oui. Non. J'essaye juste de comprendre ce que le monde est rendu, c'est tout. Les enfants abandonnés dans le monde, il y en a partout. Dans mon livre à moi, là, il aurait pu aller s'en chercher un ailleurs, si. Cotonnier, hein? Mais vous essaierez, vous, d'aller faire l'adoption à l'international. Vous m'en donnerez des nouvelles. Parce qu'il y en a beaucoup d'enfants abandonnés, mais ils sont constamment entourés de... d'une horde d'avocats qui sont tous plus rapaces les uns que les autres. C'est des vrais vautours. Il paraît qu'en Haïti, c'est un peu mieux, quand même. Non, 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 non. Non, non. Excusez. Moi, là, Lorena, puis me faire appeler papa par un petit nègre, je me serais senti mal. Pour lui aussi, je veux dire. Moi, je voulais... un enfant qui me ressemble. Fait que... t'as fourré ma cousine. Non, 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 non. Ça s'est fait dans le respect, là, quand même. Non, les deux femmes en ont discuté par leur cours d'artisanat. Avec Betty, ça pouvait se faire de façon naturelle. On avait un petit peu d'argent de côté. On s'est dit pourquoi pas. Alors, on s'est rencontrés une ou deux fois, puis... ça fonctionnait. Mais ce qu'on lui donne... qu'on lui donne, ça compensera jamais pour le beau cadeau qu'il nous fait. Jamais. Il y a un livreur de mets chinois à la porte. Ça, c'est pas ton docteur, là, hein? Adrien, arrête, là, OK? Parce qu'on n'a pas le temps d'en trouver un autre, là, fait que ça va être lui, OK? Là, là, moi, tout ce que je veux, là, c'est que ça sorte, là, je suis en train de mourir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est ta cousine? Tout au mafia? Non, 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 pas mafia, le québécois. Ouais. Il y a de la musique avec son français, mais comme Doc, il est écœurant. Hein? Oh. Allô? Attends, emmenez-la en haut, laissez-la pas ici. Hein? Ah ouais, mon Drillet, let's go! Ah ouais! Sur un autre topé. Yes. Plus d'initiative, tabarnak. Oui, oui. Hey, hey! Comment ça va, mon junkie? Ouais, c'est pas important. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est moi qui garde le stock. Hey! Attends-toi pas un remboursement. Comment ça, t'as gardé le stock? Je l'avais
cette semaine, rien d'autre. Contre un troc de potes. C'est mon stock. Il y avait mon stamp dessous. Ouais. C'était un contrat de qui, ça? De quoi tu parles, là? Allô, un pocket. Le maître de Riendo. Le fils de Gianni, le tombeau Riendo. Quoi? Le Johnny Riendo, là? Quand Riendo est parti de mon camion, il avait 2 kilos dans sa valise, plus 85 000 $ pour son ex-girlfriend. 80... combien? A little girl. Avec des problèmes d'impôts. And a lot of little piggies to feed. Ah! Guess what? The dernier rumor in town. C'est que les gars qui ont descendu Little Riendo se sont poussés de son garage dans ta voiture. So don't tell me you don't fucking know who they are! Johnny, Riendo veut te voir. Une personne. Je suis convaincu que tu as été embauché par un ennemi. Since il a beaucoup d'ennemis, il veut savoir lequel. Va te laisser la vie sauver. Si tu lui files le tuyau, tu vas être ici, dans mon congélateur, avant la messe de dimanche midi. Ok. Salut, mon homme. Et là, je suis dans la merde, Anastie. Il faut coucher la cousine. Préparer. Travail commencé. Ah oui. Hé, hey, Doc, toi, ferme la vidéo. Fais-moi un beau sourire, le cousin. Ferme la vidéo, je t'ai dit. Yeah. Faut que je sorte 5-10 minutes, OK? La fille qui est là, elle sait ce que je fais ici, parce que c'est sa soeur qui m'a mis dans le mal. Mais le petit couple, lui, c'est rien, OK? Fait que laisse pas la fille seule avec eux autres, OK? Tout va checker à gaffe en dedans. Je m'occuperai de toi plus tard. Qu'est-ce que je t'ai fait, Esti? Je viens de parler à Jodorowsky. Hey, il m'en a appris des belles. Hein? Il y a une deuxième kilo de coke? Hein? C'est toi qui l'as? Hein? Chose! Moi, j'étais pas là quand t'as trouvé le premier, mais peut-être qu'il y en avait deux. Hein? Chose! Une chance de les garder, Esti. Ton gars, il m'a même pas payé. Te l'as-tu dit, ça? Va checker en dedans, je t'ai dit! Viens, on va se parler un petit peu. Pour toi, Riendo, une de ses ex, le propriétaire d'une pêcherie. C'est pas de quoi je parle, là, Nasty! Je n'ai pas cet argent-là, moi! Où tu l'as mis? Je te le jure que je l'ai pas. Je t'en crois plus, là! C'est les bœufs qui l'ont. Riendo,
Il n'a jamais eu le temps de me payer. Ferme tes yeux, ma puce. Tu sens, tu vas rien, là. Tu peux pas te débarrasser de moi. Je vais faire tout ce que tu veux. Je vais t'aider à traverser les lignes. Moi, je pense du bétail 3-4 fois par semaine. T'auras pas de problème avec moi. Tu vas même pouvoir passer ton kilo. J'avais besoin de cash pour sacrer mon camp, moi! Je vais t'en trouver, moi, du cash. Ma soeur, elle va faire du gros, gros cash avec le bébé. Quoi? Ma soeur, elle va faire du cash avec le bébé. OK. Enfants sont magnifiques, chaleureux, souriants. Et pourtant, comme des milliers d'autres, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Ils doivent marcher près de 10 km par jour pour atteindre le puits. Écoute, Bette, si je ne l'avais pas négocié, ce bébé-là, tu l'aurais fait gratis. Pense-y même pas. OK. Il va me descendre, c'est ça que tu veux? J'ai plus le choix, là. OK, pour moi, je m'en fous, mais j'ai peur qu'il te fasse du mal. Il faut que tu m'aides. Hop! Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ici? Et toi, dehors. On est en réunion de famille ici. Là, j'essaie d'être dans une intimité relative avec la mère de mon enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut être sensible à ce que je vis? C'est correct, Carole, on achève. L'homme qui sait rien. Oh non. Oh non, il y en a une autre grosse vague qui s'en vient. Il y en a une autre qui s'en vient. Bon, là, il y en a une autre grosse qui s'en vient, fait que tout le monde dehors. Hey, tu m'es adopté, tu commences vraiment à me tomber sur les nerfs. Je peux croire que tu fasses partie de la famille, mais là, ce serait à peu près le temps que quelqu'un te remette à ta place, toi. Comment tu m'as appelé, là? On se calme, OK? Bon. OK, là, allez nous attendre en bas, OK? Ça sera pas long, il y a bientôt fini, OK? C'est une vraie tête de cochon, hein? OK. Alors, tu vas jaser d'argent avec la petite coupe de château, OK? Hey! J'ai-tu de l'air d'une fille qui a le temps de jaser, moi? Si tu touches à ma soeur, t'auras rien, OK? En bas de 50 000, je suis pas négociable. C'est ça ou je l'ai-tu toute la gang? Bon! Ça va être 35 000 ou rien. Parce que c'est tout ce que je vais avoir. Là, je suis rendue à 9 cm, OK? Le bébé, il est dans bonne position. Il est sur le bord de sortir, là. Puis les banques sont fermées. Fait que demande-moi ça pas plus. Quand j'aurai mon cash, tu pigeras dedans. Mais que je te voie plus jamais mettre les pieds ici. Mon hostie de sale! Parce que je te jure que je tirerai des gaz avec mon dose. OK, ça va être 35 000. Mais cash, puis au plus crissé. Hey, chose. Je m'en vais dehors, je reviens dans 5 minutes. Oui, monsieur. Toi, là, tu commences à me faire chier. Hein? On va s'arranger pour que tu restes tranquille. Yo, il s'y vole, tu me fais mal. Yeah. Hey, Pocket! Chut, ta gueule! Oui, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le plan, là? On va traverser les lignes demain matin dans son pick-up. Ils la connaissent aux douanes. On va faire passer du bétail, puis la coke. Va checker à gaffe en dedans, là. Oui. On pousse! On pousse! C'est lui qui fait mal, là. Oh non! On pousse! Mais sans la tête! Bon! Ça s'en vient-tu, là, docteur? Pire! Adrien! Adrien, tasse-toi! Voyons, ma grande, mais qu'est-ce que t'as, hein? Si c'est pas les contractions qui te font pleurer comme ça, là, c'est quoi? Oh, c'est trop compliqué, là. Là, on s'est dit qu'on se cacherait jamais rien, hein? Est-ce que c'est parce que tu le regrettes, là?
Dis-moi que c'est pas ça. Arrête! C'est à toi, le bébé. Arrête, là. Moi, j'en veux pas de bébé. Moi, j'en veux pas. Moi, je veux une porcherie. Oh, Prosper! Ah! Ah, je vais mourir, là! Ah, je vais mourir! Malheureusement, il survit dans ce lourd destin, une ligne de souffrance, de maladie, où il faut se battre pour survivre. Je vois sa tête, Adrien! Sa tête! Moi aussi! Je vois. Allô, bébé! Adrien, cours! Pousse les épaules! Et en. Pousse! Mais es-tu correct? Très beau petit garçon. Très, très beau pépé. Très, très beau pépé. Mais la couleur est noire. Très, très beau pépé. Magnifique. Jamais que tu me ferais ça, Betty. Jamais. Adrien! Laisse-moi t'expliquer, là! Viens ici! Hey, Adrien, là, on va pas s'en aller comme ça, là, c'est pas vrai! Elle ne devait pas avoir de relation 6 semaines avant, 6 semaines après. C'était ça le contrat, c'était très clair! Ta sœur peut bien aller se cacher dans la porcherie avec votre cousin. Pensez-vous que je sais pas, vous avez des dettes à la banque? Elle voulait qu'on te donne 5 000 $ cash d'avance. Ben, tiens. Peut-être 5 000, pas 35. Puis ça, c'est parce qu'on est du monde honnête. Hein? Du monde normal, Betty. Il donnerait pas une scène. Pas une maudite scène. Carole, on s'en va. Carole! Adrien! Adrien, tu peux pas me faire ça, là! Viens ici! Écoute, je te dis, le gars, il avait un condom. Je sais vraiment pas comment ça se fait que c'est arrivé! Carole, j'ai dit, ramasse tes affaires, on s'en va! J'en mets pas de son maudit bébé! Je ferai pas pour ça certain! Carole, j'ai juste 2 mains! Non, 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 il va pas me faire ça. Regarde-les une minute, là, je reviens. Adrien! Il va pas me faire ça. Bonne chance, bébé. Adrien, tombe-toi si tu serais déçu, là. Moi, je peux pas t'en aller. Ben, reste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas au moins le prendre dans tes bras, là. Il est beau, petit vieux. Carole, arrête! Mais quand est-ce qu'une occasion comme ça va se produire, là? Qu'il soit blanc ou noir, ça change quoi? Je veux pas de noir dans ma famille! Oh, comment t'es pas juste resté sans le cœur? On en voulait un enfant! On l'a notre enfant, je là! Je m'excuse, mais c'était pas un enfant que je voulais, moi. C'était me reproduire. C'était assurer une descendance au Massé. Moi, Katiné, Carole, ça m'intéresse pas. Et puis moi là-dedans, et puis Betty, elle en voulait pas d'enfant, elle! Elle aurait jamais fait cet enfant-là pour elle. Elle peut pas savoir qu'elle apportait pas notre enfant. Oh non, Adrien. Adrien, tu prends pas ce coup-là, Adrien. Si tu le fais pas pour toi, là, fais-le pour moi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, fais-le pour moi. C'est mon argent. Mais là, tabarnak, c'est pas un terroriste, asti, c'est un cochon. Si tu veux passer loin, laisse-moi faire. Ça a besoin de marcher, ton affaire. Très muni.
C'est fait? Oui, très mené. Très beau bébé. Beau bébé. Bon bébé, bon bébé. Hein? Mais homme et femme pas contents de garder beaucoup de billes dans sa valise. Quoi? Et où tu caches? Ya, ya, cache. Cache. Je m'excuse. Je voulais tellement que tu sois contente. Je suis contente, là. Regarde-le, hein. Le bébé, je veux dire. Regarde-le, Carole, je t'en supplie. C'est pour toi que je l'ai faite. Saisie de marijuana, mais aucune charge n'avait été retenue contre lui, faute de preuves. Les policiers sont toujours à la recherche de Jean Paquet, que l'on soupçonne fortement d'être lié à cette histoire. Il aurait, en effet, été identifié comme étant le propriétaire du véhicule Ford LTD brun qu'on recherche depuis... C'est eux qui sont cherchés. Maître Manteau! Maître Manteau! Qu'est-ce Carole, donne-moi les clés vite. Pas dans mon coin. Oh. Où est-ce que t'as mis les clés? Je les ai mises là tout à l'heure. Voilà. Ils sont dans la... L'une des principales crime organisé. Ce meurtre nous fait craindre le pire. Serait-ce le retour des hostilités entre Johnny le Longo Riendo? Va, ça se passe. Thank you.
Ah, ferme ta gueule. Hé, hey, chose, mets ça dans le pick-up, là. Et je te remercie, moi, j'aide pas personne avant d'être sûr que ma soeur est correcte, OK? Bête! Hey, t'as fait dessus ta calice de gueule! La chose, Étant... Hein? Écoute, j'ai repensé à ça. On serait peut-être mieux de traverser les douanes chacun notre tour. Hein? Pourquoi? Ben, c'est moi qui cherche, hein? Toi, personne te connaît. Ben, tu prendras mon char? Il est pas brûlé, ton char? La coke, on la split où? Ah, non, non, la coke, c'était pas dans le deal. Le cash non plus, hein? Le deal, c'était 20 % de ton profit. T'as une valise pleine de cash. Je veux 20 % de la coke. Je suis correct, Ben! 20 % de la valise. Je suis correct! T'as fermé dessus, ta gueule, astie! Ta gueule. Le deal, c'était sur mon pote. Il n'y en a plus de potes. Je vais te donner 2005. C'est-tu cool, ça? Je veux 20 % de la coke, 20 % de la valise. Hey, chose, va chier. Tu devrais te compter bien chanceux que je te paye. T'as tout fucké mes plans. Tu mériterais même pas une caresse, ta scène. Hey, veux-tu que je te dise, moi, ce que je pense de toi? Veux-tu que je te le dise, ce que c'est que je pense de toi, c'ti? Hein? Pas bien y penser, là. C'est plus 2005, je vais te donner. Ça va être 2000. Hein? Hey, 2000. Moi, inquiète. Hein? C'est beau, ça? Un étiquette, là? Hein? Ben, dans mon livre à moi, là. Un étiquette. Éteins ma puce, on s'en va au steak. Ça va, bête! Ça va. Moi aussi, j'en prendrais une. Tu sais, ce que je te disais hier, là, c'était vrai, hein? T'en souviens? Ce que je te disais sur toi, là, par rapport à Paquette. Ouais, mais ça. Ah ouais, détache-moi. Tu sais, j'ai encore le goût, hein? Ouais. Pas de niaiserie, là. Détache-moi. Je le jure, tu le regretteras pas. Faut-tu
suspense. Si je te fous, ben non, si je te tue. Hey, comment n'y est-ce pas? Hey, comment? Hey, détache-toi, là! Là, tu vas avoir un goût à goût. Et ton os, tu gardes. My soul, it's so-
continuer de t'espérer, à te huer dans le vent, à tout venir. J'ai dit